J'ai été ravie, en tant que présidente du CNPA du département de l'Isère, d'accueillir le ministre Nicolas Hulot. Les échanges ont été constructifs, pragmatiques, et on pense qu'on aura contribué un peu à faire avancer le dossier, notamment sur les aides à la conversion. Alors la question la plus importante concernait les délais de remboursement de l'avance de ces primes que nous faisons, nous, concessionnaires. Le consommateur ou client ne se fait pas rembourser sur un site. C'est nous qui faisons en remise sur les bons de commande, soit les primes de conversion, soit les bonus. Donc ce sont des avances de trésorerie assez majeures pour nos établissements. Et nous avons donc posé la question concrète en disant quand est-ce que nous allons être remboursés, puisque nous avons actuellement plusieurs centaines de milliers d'euros dehors. Le ministre a pris note de la question et je ne sais pas si c'était des problèmes de budget ou autre, mais je pense que la question a bien été entendue en tout cas. Lui-même nous a demandé ce qu'on pouvait faire pour lui et on a demandé ce que lui pouvait faire pour nous. Et finalement, la question, c'est de dire il faut qu'on se rencontre. Je pense que pour répondre à cette question, ça passe par une obligation, c'est de se voir. Voilà, donc c'est d'organiser une rencontre et de regarder comment on peut s'apporter mutuellement. Donc on essaie de mettre ça au point. Voilà. Très bien, et ben, je vais vous dire comment faire, ça va être très simple. Voilà. Et date est prise, on nous a donné sa carte pour qu'on le voit directement. Il y a plein de choses à faire, il y a plein d'idées et l'avenir est en marche. C'est parti.